Quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Vous voulez toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal, mon baiser fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations, et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement des hommes qui commettent les crimes et majoritairement des hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi elles avaient tué? Moi, je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui clash entre les hommes et les femmes.